C'est une pièce qu'on a écrite sur un principe d'écriture de plateau. Donc on est parti d'interviews avec pour sujet les relations entre frères et sœurs. Donc qu'est-ce qu'on entretient, comment on se parle, comment on se voit beaucoup. Et de ça est né un repas de famille au milieu duquel on apprend à se redécouvrir, au milieu duquel on se retrouve. On se déteste avec des souvenirs d'avant et avec des colères d'aujourd'hui. Et donc, verset 1, ta famille, tu aimeras. En résumé, c'est une grosse embrouille familiale autour d'un repas, au milieu duquel l'un d'eux dirige le tout et s'accorde à ses desseins à lui. Voilà, donc c'est une manipulation familiale entre frères et sœurs. Là, on travaille la deuxième scène, donc qui s'appelle l'aventure. C'est une scène, la scène où tout explose, où les conflits s'engrènent et vont jusqu'à l'excès, jusqu'au corps, jusqu'à la destruction de tout ce qu'on pensait être ensemble. Et du coup, là, on travaille sur l'aventure. On a repris la pièce, elle a été montée du coup à la base pour un projet de master. Celui de mon master en théâtre à Montaigne. Et là, on la reprend avec de nouveaux arrivants. Et du coup, il y a toute une réécriture à faire. Et là, on rentre dans un travail vraiment de détail et plus collectif aussi, où chacun y met vraiment du sien. Et donc, en fait, là, c'est vraiment le début de cette réécriture avec la scène 2. Donc, pour nous, c'est un gros moment. Et un bon départ. Alors, on est tous passés par la fac, par la licence théâtre pour la plupart, et une par la licence cinéma. Pour eux, je saurais pas dire, ils sont passés par la licence et ont eu d'autres parcours par la suite. Après, par rapport à mon parcours à moi, ça m'a apporté déjà un premier réseau. Bah, parce que les professeurs, parce que les élèves avec qui on travaille, enfin, qui deviennent des collègues par la suite, et c'est les premiers réseaux qu'on entretient. Et au niveau de la création en soi, pour moi, c'est plus l'esprit de recherche dans le travail, de questionner. De savoir ne pas s'arrêter et continuer à dire bon, je suis satisfait à cet endroit, mais où est-ce que je vais aller plus loin, d'aller nourrir le projet d'autres formes, d'autres sources qui sortent pas forcément que de nous et d'accepter justement ce rejet de la création, du mythe de la création qui vient de l'artiste, mais plutôt bah, de la création née de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'on peut trouver en cherchant.